L'ange de la terre qui crie un nom. C'est vrai, j'ai vu Gustave. Mais j'entends. J'entends Okamo. Hey, papa! C'est qui? C'est toi! Papa, tu es fâché en ce matin! Hey! Est-ce que tu peux te lever et acclamer ce qui se passe là? Est-ce qu'on peut prophétiser comme ça? Normalement, papa, normalement, tu nous as tués en ce matin. Papa, tue-nous en ce matin. Achève-nous, papa. Normalement, même si c'est pas toi, tu dois te connecter à cette onction de localisation pour que j'atterrisse dans ta vie. Hey. C'est fort. Je vois la terre. Je peux le voir. Je peux le voir. Viens. Tu as fait quoi comme étude? Viens quand même. Il fait quelle heure? J'ai fini. Il me reste 9 minutes. Ça va? D'accord. Papa, j'ai vu la terre en train de bouillir. Et pendant que la terre était en train de bouillir, il y a une entité qui a creusé, qui a fait sortir des immeubles. La terre a fait sortir des immeubles. Je suis en train de déclarer, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais la terre d'Atengue, les sorciers étaient assis dessus. Ils étaient assis pour empoisonner votre vie et pour vous mettre dans une certaine prison. Mais comme aujourd'hui, c'est le troisième jour. Vous avez la clé de la ville. Amen. Vous avez la clé de la ville. Amen. Je vois que vous aurez beaucoup de terrain comme ça. Amen. Vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Informaticien de formation. Je travaille au ministère de la construction. Ah. Vous allez avoir, je suis en train de vous dire, ce n'est pas une affaire de dans des mois, dans des années, je parle de maintenant. Vous allez être vous êtes déjà propriétaire terrien. Amen. Je vois des Turcs vous approcher. Amen. Vous solliciter. Pour un projet, je le vois, dans un mois, ce projet-là est en train de prendre forme. Amen. Et comme récompense, il vous attribue des biens. Amen. Vous êtes un homme puissant. Amen. Vous êtes un homme béni. Amen. Est-ce que vous pouvez, faites une offrande. Faites une offrande. Ça va? Connecte-toi. Tu es connecté. La tête d'Atengue qui bougeait là. La terre d'Atengue qui bougeait est aussi pour toi. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu sortes de l'anonymat. Amen. Que tu sortes de l'anonymat. Amen. C'est bizarre, je ne sais pas si c'est parce que tu es à côté de lui, mais je vois aussi quelqu'un, une femme qui t'a pris comme ça. Elle est blanche. Elle aussi, elle est, on dit quoi? Elle est turquoise ou même turquoise? Elle est turque. Donc, il est tapé poteau dans papa, les deux elle mêmes. Elle habite en Turquie, oh. Elle habite en Turquie. Je la vois en train de prendre ta main. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Papa, fais-nous voyager en ce matin. Si tu veux qu'il prenne ta main, il faut venir avec une offrande. Il a saisi ça en même temps. Hey! Alléluia. Amen. Je te bénis. Je vais revenir tout à l'heure. Et puis je vais continuer ce que j'ai commencé. Mon temps est arrivé. Yes. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa faveur soit sur ta vie. Vous Amen. Pouvez aller vous asseoir. Acclame puissamment Amen. Jésus. Acclame très fort. Acclame très fort.
très fort, Jésus. Est-ce qu'on peut prophétiser comme ça? Yes. Ne vous inquiétez pas. Il aura tout à l'heure une panoplie de prophètes qui vont vous bénir. Amen. Je suis simplement venu te donner un avant-goût de ce qui va se produire. Yes. Je reviendrai tout à l'heure. J'ai encore entendu des choses. Je reviendrai tout à l'heure. Mais ceux qui vont venir après moi. Ceux qui vont venir après moi. Aïe, 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 aïe. Wallahi, on ne peut pas faire ça. Ceux qui vont venir après moi, là. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre programme. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Amen. Je veux dire à quelqu'un que, quelle que soit la situation que tu vis, yes, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, amen, ce programme est pour toi. Amen. Connecte-toi tout simplement. Vous, amen, qui nous suivez depuis l'extérieur, connectez-vous tout simplement parce que la puissance de Dieu est dégagée. Elle est libérée pour nous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu penses que tu as acclamé suffisamment le Seigneur comme ça? Yes. Ta manière d'acclamer va déterminer la suite de temps. Ta manière d'acclamer va déterminer la suite de temps. Est-ce que tu es prophétisable? La plupart des personnes qui acclament bien, ce sont ces personnes sur qui on prophétise. Alors, si tu veux qu'on prophétise sur toi, lève-toi et acclame bien le Seigneur. Amen. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons commencé, le mercure est en train de monter. Les choses vont aller dans une dimension élevée. Une chose est sûre et certaine, tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Il faut que tu saches saisir l'opportunité, la bénédiction qui est relâchée ici. Alléluia. Nous allons continuer ce moment, oui, dans le prophétique. Amen. Mais dans le prophétique sous d'autres formes. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout et recevoir un homme de Dieu, un chantre de l'Éternel. C'est un homme qui prophétise en chantant. Alléluia. Et c'est sa spécialité. J'aimerais que nous puissions recevoir un chantre ici en Côte d'Ivoire qui n'est plus à présenter. Recevons, je pense que tout est fin prêt. Avec le groupe musical, nous recevons... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu maintenant là? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Toi qui nous suis depuis chez toi, tu peux aussi acclamer le Seigneur parce que tu es absent de corps mais présent en esprit. Tu peux aussi acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux nous rejoindre ici à Abata, Carrefour BCAO en bas. Viens, nous t'attendons parce que le moment a commencé. Nous finissons à 14h et tu as encore du temps pour venir. Il ne reste plus, il n'y a plus de place, mais viens, nous allons trouver une place pour toi. Viens, nous allons trouver une place pour toi parce que Dieu a quelque chose à te dire en ce jour. Alléluia. Je pense que tout est prêt. Je vais inviter ici maintenant le chantre de l'Éternel, Griot prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est une grâce pour moi d'être ici. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Merci. C'est une aubaine pour moi ce matin de me tenir ici à la MRI. Je suis très heureux chaque fois que je vois les fils des Daddy. Mon cœur est dans la joie parce que ici, on a les mystères télévision, on a des choses dangereuses ici. Ici, quand tu viens, tu n'as pas envie de rentrer à la maison. Franchement dit, je vais faire une confession. Tellement je suis fatigué, je n'avais pas envie de venir. J'étais tellement fatigué.
Et quand maman père a dit, il faut que tu sois là. Mais quand je suis arrivé, que j'ai vu, je l'appelle l'homme à la figure angélique. Oui, lui là, c'est un ange, c'est pas un humain. Quand je l'ai vu au micro, la fatigue m'a quitté un coup. Et malgré que ma gorge me fait mal, mais le Dieu de Papa Dolski, c'est quand tu es fatigué, c'est là qu'il aggrave tout. Que Dieu vous bénisse, prophète. Je suis heureux ce matin d'être ici. Et qu'on est dans une atmosphère prophétique, les choses ne se font pas de façon normale. Alléluia. Parce que je suis heureux d'être dans la présence de Dieu. Ce matin, je suis venu faire une rencontre. Je suis venu rencontrer quelqu'un. Il y a des rencontres qui changent la destinée. Il y a des gens que tu peux rencontrer et ta vie peut changer. Il y a des rencontres qui changent la destinée. Il y a des gens que tu peux rencontrer et ta vie peut changer. Ici, à ce moment, ici, en ce lieu, ta vie est capable de changer. Je ne sais pas ce qui t'a envoyé. Aujourd'hui, c'est le 5 avril. Dieu va certainement te faire grâce. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Il y a des rencontres qui peut basculer ta vie dans un profil glorieux. Oh. Sur la terre des hommes, les gens ont besoin de souscrits d'abord pour migrer dans un profil de leur choix. Mais avec le Dieu du peuple de ski, yeah, 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 yeah. Yeah. Je suis venu les rencontrer. Je suis venu rencontrer le Dieu de Papa Dolski. Es-tu venu les rencontrer? Tu peux te tenir debout. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Tu as connu des gens, ils ne t'ont rien apporté du tout. Au contraire, ils ont gâché ta vie. Tu as même rencontré une femme. Elle est rentrée dans ta vie, tout est mélangé. Ha. Tu as rencontré quelqu'un. Quand il est rentré, tout est mélangé. Et tu es venu à ce programme. Yeah, yeah. Tu seras localisé. À ce programme, tu seras localisé. À ce programme, tu seras localisé par le Dieu de Papa Dolski. Tu seras localisé. À ce programme, tu seras localisé. À ce programme, tu seras localisé là-haut. Il y a des gens que tu as rencontrés, tout est mélangé dans ta vie comme ça. Et tu as perdu goût à la vie. Il y a des gens qui ne veulent plus aller à l'église parce qu'un pasteur l'a déçu. Je te comprends, tu as le droit de penser ça. Il y a quelqu'un qui a découragé, un pasteur l'a déçu. Mais c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Papa, oh, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux chanter avant? Yahweh, j'ai besoin de toi.
Ne me laisse pas comme ça, oh. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas retourner tant que je suis venu, oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Elie à la go. Elie à la go. Abraham à la go. Saskia la go. Nuna weli mio. Nuna weli miao. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Quelqu'un est venu ici, espérant voir le Dieu de papa d'esprit dans sa vie. Il a découragé, voilà pourquoi il est venu. Oh, Yahweh, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Ah, papa, oh, j'ai besoin de toi. Oh, yeah. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Hey, José. Prophète, il y a des gens je ne sais pas où Jésus t'a pris, je ne sais pas où il t'a ramassé, mais moi il m'a ramassé quelque part. Hey, j'étais couché quelque part là-bas et il avait quoi? Il est venu me prendre. Il ne voulait pas me voir avancer. Et il ne voulait pas me voir avancer. Et il ne voulait pas me voir évoluer. Et il ne voulait pas me voir avancer. Jésus a décidé, oh, il a décidé. Alléluia. 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 Et il ne voulait pas te voir avancer. Il ne voulait pas te voir servir Dieu. Et il ne voulait pas te voir avancer. Jésus a décidé, oh. Il a décidé, c'est fait. Jésus a décidé, c'est fait. Comme de Dieu, j'entends pas. Jésus a décidé, c'est fait. J'entends pas. Jésus a décidé, c'est fait. Ce n'est pas ta faute. Bata.
d'un coucher à la Macao. Il a déjà été Jésus enlevé depuis au chute de Yopougon. Tosé. Il y a des gens que Jésus a pris depuis au chute de Yopougon. Il y a des gens que Jésus a ramassés depuis le chute de Yopougon. Ils sont là, il ne peut pas danser, il me manque de regarder. Tosé doucement. Il dit, il était à propos. Il marchait à propos plaque. Mais aujourd'hui, quand tu le regardes, on appelle ça la métamorphose. Quand il a rencontré le Dieu de son père, automatiquement. Il y a des gens que Jésus a ramassés dans les rues de Yopougon. Moi, il m'a pris là-bas. Oh, hey. Il m'a pris là-bas. Oh, hey. Hey. Je sais pas où Jésus t'a pris. Je sais pas où il t'a ramassé. Ah! J'ai bougé. Ah. Béton, je suis heureux. Il y a des gens, leur souci, c'est de se marier. Mais il y a des gens qui sont mariés, qui sont malheureux dans leur mariage. Il y a des gens qui veulent voyager, mais là-bas, où ils voyagent. Écoute ce cantique. Dosez doucement. Eh, yé, lé, 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 lé. La gota belle, belle, y cacao, c'est sa mère, appelé mio. Eh, yé, lé, 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 lé. Dans ce qui a la go, allez, non, na, wéli mio. Eh, yé, lé, 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 lé. La gota belle, belle, yo, c'est sa mère, appelé mio. Je suis heureux quand je loue mon Jésus. Mon cœur est dans l'allégresse quand je tiens le micro. Toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Ton voisin et toi, vous n'avez pas les mêmes soucis. J'ai dit toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des gens qui sont venus sur la terre pour regarder les amis. Les gens sont venus ici-bas pour accompagner les gens à la mairie, à l'aéroport. Moi, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Je suis venu pour que moi, on m'accompagne. Eh, yé, lé, 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 lé. La gota belle est belle, yo. C'est ça, mais pas plus mieux. Je suis heureux quand je loue mon Jésus. Mon cœur est dans l'allégresse quand je tiens le micro. Je suis heureux quand je loue mon Jésus. Mon cœur est dans l'allégresse quand je tiens le micro. Je suis heureux. Je suis heureux quand je loue mon Jésus. Yeah, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Si aujourd'hui tu as la vie, il va dire merci à Dieu. Car c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Si aujourd'hui tu peux chanter, il va dire merci à Dieu. Car c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Si aujourd'hui tu as le micro, il va dire merci à Dieu. Car c'est la grâce de Dieu, maman, qui t'a localisé. Si aujourd'hui tu es un prophète, il va dire merci à Dieu. Car c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Si aujourd'hui tu es le fils de Daddy, il va dire merci à Dieu. Car c'est la grâce de Dieu, maman, qui t'a localisé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Elle t'a localisé. Localisé, oh, oh. Localisé. Oh, c'est la grâce de Dieu. Allez localiser. Allez localiser. Allez localiser. Elle m'a localisé. Elle m'a localisé. Elle m'a localisé. C'est la grâce de Dieu. Localisé.
grâce de Dieu qui m'a localisé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Elle m'a localisé, localisé, oh. Qui m'a localisé. Oh, c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Oh, c'est la grâce de Dieu, 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 qui m'a localisé. Acclame le Seigneur, merci. Griot prophétique, la grâce de Dieu qui t'a localisé. Si tu penses que c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé, lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Alléluia! La grâce va encore te localiser. Sans plus tarder, nous allons inviter une chante de l'Éternel. Esther conquérante, que nous allons ovationner, une chante de l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse l'acclamer. Nous la recevons. Elle va nous transporter par sa voix, par la chose qu'elle a de Dieu. La Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Oui. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut véritablement acclamer le Seigneur Jésus? Non, là, tu es en train d'applaudir. Je demande d'acclamer le ressuscité. Lui qui a permis que toi et moi, nous soyons là en ce jour. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, je veux dire d'abord merci au Père de la maison. Voilà, parce que si je suis là, c'est grâce à lui. Et dis merci au prophète Isaïe. Voilà pour son invitation ce matin. Alléluia. Dis merci aux autres prophètes qui sont avec le Père Dolski. En tout cas, personnellement, moi, je vous admire pour votre fidélité. De loin, c'est toujours ma parole. Quand on parle, j'ai dit, vous ne voyez pas les enfants de Dolski, là. Vous êtes là, vous sautez, sautez seulement. Mais est-ce que tu peux faire l'effort de te tenir debout en ce 5 avril et acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de tous ces hommes de Dieu qui sont avec le Père de la maison. Alléluia. Alléluia. Avant de chanter le cantique phare de mon album, je vais interpréter le chant d'un confrère qui n'est plus malheureusement, qui a été assassiné. Mais son chant m'a fait tellement de bien que toutefois que j'ai l'occasion, je le chante parce que c'est quelque chose de vrai qu'il a dit. Amen. Wanotamu keneza gunyo saba ono wakasra kamu sayo. Wanotamu buboza gunyo zuzu ono wakasra kamu sayo. Sanu beyo, sanu mawateo, alele sanu beyo, meyo, 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 oni mawate, sanu beyo, sanu mawateo. Jésus, oh, la go, la go, la go, Jésus, oh, n'attends pas dit que la vie est un choix. Moi, j'ai choisi Jésus. Est-ce que tu as choisi Jésus? N'a-t-on pas dit que la vie est un choix? Moi, j'ai choisi Jésus. Pour avoir refusé de te servir. Sorcier, tu en veux là ma vie. Pour avoir refusé de t'adorer. Mystique, tu en veux là ma vie. Alors, on va lui demander. Qu'ai-je fait de mal?
parlé. Qu'ai-je fait de mal pour que vous m'en voulez? Quand je veux voyager, vous venez vous y opposer. Quand je veux travailler, vous venez vous y opposer. Quand je veux enfanter, vous venez vous y opposer. Quand je veux me marier, vous venez vous y opposer. Mais moi je ne crains rien, car désormais ma vie est en Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Mon heure sonnera. Merci pour ce moment que tu permets. Tu vas dire avec moi. Tu vas dire avec moi. Quand rien ne va chez toi, voilà, il ne va pas te répondre. Mais. Vrai, vrai, là, il ne peut pas te répondre. Tu es. Quand rien ne va chez toi, quand tout est compliqué, maman. Papa, quand tout est difficile, dis-moi. Qui appelle? Si ton mari t'a mis dehors. Qui appelle? Ah, ton travail est gâté. Qui appelle? Tu n'arrives plus à manger chez toi. Qui appelle? On va l'appeler ensemble. Zouzou au pluie. La cause zouzou au pluie, oh, eh, zouzou au pluie, oh, zouzou au pluie, oh, wa, la cause zouzou au pluie, oh, ah, embelli la go, 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 embelli la go. Écoute-moi. Dans ma famille, les gens adoraient le baillé. Mais le baillé là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, d'autres adoraient le combien. Mais le combien là, il m'a rien apporté. Dans ma famille, d'autres adoraient le Bouddha. Mais le Bouddha là, il m'a rien apporté. Écoute, c'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien en haut. Hey! L'Esprit de Dieu qui me fait du bien. Ah, il me fait du bien en haut. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien. Ah, il me fait du bien en haut. Est-ce qu'il te fait du bien ce matin? Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais trahi. Il ne m'a jamais déçu. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les situations difficiles, il est là pour me secourir. Ton papa
papa peut te laisser, ta maman peut te laisser, tes parents peuvent te laisser, mais Jésus, il est vide. Ah, il me fait du bien en haut. Du bien, l'Esprit de Dieu. Ah, il me fait du bien en haut. Ah, du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut vivement acclamer le Seigneur Jésus? On va appeler Gela. Alléluia. Dis bien Amen avec moi. Gela qui signifie dans ma langue maternelle Dieu. Je suis guéri de paix, de giglo. Amen. Et je suis wobé de mer. C'est-à-dire moi-même là, je mange bien. Alléluia. Où je peux dire, j'étais bien parti pour manger. Mais le Seigneur m'a repêché pour pouvoir bien attraper, pour envoyer vers lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Ce cantique, je dis, Seigneur, si tu ne fais rien dans cette histoire-là, où j'ai décidé de suivre, je suis morte. Alléluia. Si tu ne parles pas pour moi, ce n'est pas bon. Parce qu'il faille qu'il parle pour toi et moi. Alléluia. Alors la régie, quand on est prêt... Les gars, n'ont pas chéqué tes débours, soit quand tes débours. Oh, nous t'appellerons ce matin. On peut pousser le son, on peut pousser le son. Bon, maman, ouais. Ah. Là, Gladignon. Mon Emmanuel soit. On va le célébrer. C'est... Ah! Ah! Gela! Tu vas dire avec moi. Considérez-nous, oh, oh, Gela. Imeo. Tu fais rien, je suis morte. Considérez-nous, oh, oh, non, soir. Si tu ne fais rien, qu'est-ce que je vais faire? Il n'a pas cédé rien, 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 il n'a pas cédé rien. Amen. Kayenoué, kayenoué, oh. Eh, 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 eh. Amen. Ah. Ma sia sou, ma vin sou, ma paye. Ici boublé, ici nyomblé. Gela, ma tie we to ma. Bon so bon to bo gela, eh to bo gela ho. Eh, ma bondi jen, yon soa. Ha. Mon, 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 ouais, mon Emmanuel, ma vie sous Gela, qui ouais, ah. Ma paix, ouais, yon soir, qui ouais,
Angela, Iwe, Angela, Iblade, Somblade, Iboso, Gladion, Maman Wessoude, Sombla, 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 Ina, Aosson, Aosson, Aye, Yon soit sepo. Ade, 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 Come on, that's way. Ha! Aungiyo, 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 aungiyo. Oh! Gladinho. Gladinho. Kiyo, kiyo, kiyo. Mama mawe. Kiyo, kiyo. Ha! Momble koko, momble koko. Kiyo, 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 que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la chante Esther Conquérante? Wow, merci beaucoup. Alors, nous allons passer à une autre phase, sans aucune transition. Tu vas te tenir debout et je vais annoncer un porteur de cruche. Quelqu'un qui va t'annoncer des choses extraordinaires. Je vais te donner un secret. Pendant qu'il sera en train de prêcher, viens te connecter à lui. Vous savez, dans le milieu ecclésiastique, il y a des hommes de Dieu qu'il faut respecter. Celui que je vais vous annoncer, c'est mon aîné. Il est mystiquement mystique. C'est un homme lorsqu'il dit quelque chose dans ta vie. En fait, il n'a pas besoin d'entendre Dieu lui parler de toi. Il crée l'atmosphère dans ta vie. Tu vas joindre tes deux mains et tu vas recevoir le révérend prophète Isaiah Dolski. Acclame Jésus jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Kalashata basata lijabadaïs. La dadadayinda basata katabasataïs. Likata basheta basande badayo dahit. Linde le basande le brakata labaha. Farada linde le kete braha. Le tete te baha sande le brahao. Liba yakata basi korobose. Lima yakata basande le bra. La bakande le bro soupa. Je voudrais que tu restes dans cette atmosphère, s'il te plaît. Ferme simplement les yeux. La laria da basete. Reste dans cette atmosphère, s'il te plaît. Je vais demander au commando d'être très vigilant parce que ce matin on va travailler un peu. C'est lui le Dieu. Et là, bah, si t'as bah, hasta, bah. Il n'y a personne comme lui. Est-ce que tu peux lever les mains, s'il te plaît, ce matin, en signe d'adoration à notre Dieu? Allez, et chanter ce cantique avec moi. Il n'y a personne comme lui. Marada le re re re. Qui garde l'alliance. Hey! Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Alpha Omega. Il n'y a personne comme lui. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Est-ce que tu peux chanter avec moi, s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche
ce matin pour donner une adoration à Yeshua, à Mashiach. Dieu qui garde l'alliance. Qui garde l'alliance. Basata, Nikada, Basata. Alpha, Omega. Il n'y a personne. Maintenant, je chante en baoulé. Ya ta 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 ta. Marika papa ta yande bros. Onya siensu a baba. Ay 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 atandele satalika bahada liza bahata. Est-ce que tu peux chanter s'il te plaît? Onya siensu a. Abraham nyamye, Moïse nyamye, Sankini wosema o, Sankini wos, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche et chanter ce cantique ce matin? Est-ce que tu peux simplement ouvrir la bouche et chanter ce cantique ce matin, s'il te plaît? Je veux t'entendre chanter. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Yindela Abrahatabahos. Je veux demander au commando d'être très présent en cette salle. Je suis en train de voir le ciel ouvert en ce jour. Le ciel est ouvert en ce jour. Le ciel est ouvert en ce jour. Bakatarias tabahandele kete. Ah, ça va chauffer. Mantini le bo zararara mayere. Shar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 
Je n'ai pas entendu ton acclamation. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? 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 Je n'ai pas entendu ton acclamation. Asseyez-vous, je vais parler un peu. Je vais parler en 5 minutes, en 15 minutes, et après ça, on va se montrer les choses. Je te rends grâce, Père éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais. Tu m'as appris à écouter ta voix et à parler selon ton ordre. Et en ce matin encore, je rends grâce à ton nom, Père, parce que tu me donnes la grâce, le privilège de parler à ton peuple. Sois présent. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que le pianiste m'accompagne avec des mélodies qui viennent du ciel. Laisse-toi inspirer. Que Dieu t'inspire en ce matin. Est-ce que je peux parler? Nous allons parler un peu. Dieu veut parler à la nation. Dieu veut parler à la Côte d'Ivoire. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut parler aux enfants du Seigneur. Nous allons nous inspirer de l'histoire dans la Bible à partir de deux rois, le chapitre 6. Deux rois, le chapitre 6, à partir du verset 24. Deux rois, à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie. Oui. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria : Sauve-moi, ô roi ! Sauve-moi, ô roi ! Mon Seigneur. Mon Seigneur. Il répondit : Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi moi je vais te sauver ? Et le roi lui dit, qu'as-tu ? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, cette femme m'a dit, donne ton fils, donne ton enfant, nous le mangerons on aujourd'hui. Va le manger aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils, et demain on va manger pour moi, sorcellerie. Nous avons fait cuire mon fils, oui, et nous l'avons mangé, oui, et le jour suivant je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Gloire à Jésus. Pianiste, joue, puis donne-moi quelque chose de mélodieux. Je veux parler au peuple de Dieu en ce matin. Je veux parler à la nation. Je veux parler à tous ceux qui m'entendent. Comment? L'histoire qui nous est relatée dans ce passage, vous l'avez tous entendu. La Bible parle d'un roi qu'on appelle Ben-Hadad. Et la Bible dit qu'il a levé son armée pour assiéger Samarie. Yes. Amen. Amen. Et à cause de cela, il y avait une grande famine qui s'est installée en Samarie.
Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit que la famine était tellement pesante sur Samarie que même les fientes de pigeons étaient vendues. Il n'y avait pas à manger. Tout était difficile. Il y a dans les nations, il y a que au-dessus de nos nations, il arrive des choses, des calamités, des problèmes. Il arrive que des entités spirituelles descendent et assiègent des familles, descendent et assiègent des nations. Descendent et assiègent les nations. Descendent et assiègent des familles. Il y a des problèmes, il y a des calamités, il y a des difficultés, il y a la famine. Nos jeunes frères, nos jeunes soeurs dans nos nations ne trouvent pas d'emploi, ne trouvent pas de boulot. Bien vrai qu'ils sont partis à l'école. Après l'école, il n'y a plus rien. La famille est impuissante. Le village est impuissant. La nation est démissionnaire. Nos gouvernants, nos gouvernements sont démissionnaires. Vers qui se tourner? Vers qui regarder? Qui viendra au secours de nos nations? Qui viendra au secours de nos peuples? Qui viendra au secours des enfants de Dieu? Qui viendra faire sauver ce peuple-là? Et la Bible dit que Samarie, et Ben-Hadad et son armée avaient assiégé. Les choses étaient devenues difficiles. Il n'y a pas d'espoir. On réfléchit. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas. Tout est barricadé. On ne peut pas entrer. On ne peut pas sortir. La ville est assiégée. Les villes sont assiégées. Nos nations sont assiégées. Les postes dans le gouvernement sont assiégés. Les postes ministériels sont assiégés. Tout est assiégé. Tout est barricadé. Certains systèmes, on ne peut pas entrer. Pour entrer, c'est difficile. Il faut avoir quelqu'un de l'intérieur. Mais qui? Tu n'as personne. Il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a personne à l'intérieur du système. Personne ne peut pénétrer. Jéricho était barricadé. La Bible dit que personne ne pouvait entrer à Jéricho. Et personne ne pouvait sortir de Jéricho. Tout était compliqué. Il y a des situations de vie qui t'arrivent. Tu te demandes d'où me viendra le secours. Tu te tournes vers la politique. Les politiques ne peuvent rien faire pour toi. C'est vrai, papa. Écoutez, la Bible dit que une femme est allée voir le roi. Elle dit au roi, mon roi, viens me sauver. Parce que ma voisine et moi, on a décidé de devenir sorcière. Il y a des problèmes, des choses qui vous arrivent. Ils sont tellement compliqués. Ça vous amène à entrer dans la sorcellerie. Ça vous amène à entrer dans la franc-maçonnerie. Ça vous amène à entrer dans les sept pernicieuses. Tu parles bien, papa. C'est tellement compliqué. Tu te tournes vers ce qui est ignoble. C'est tellement compliqué que la jeunesse se tourne vers tout ce qui est ignoble. Yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Isaïe parle ce matin. Come on. C'est trop compliqué. Les jeunes sont devenus des brouteurs, des vendeurs d'organes humains. Ils n'ont plus froid aux yeux. Tu les vois en train de vendre des organes. Mais c'est une génération sacrifiée. La politique ne peut rien faire. L'administration ne peut rien faire. Ils se tournent vers les militaires. Les militaires sont démissionnaires. Une ville a toujours une armée. Mais où était l'armée de Samarie lorsque Ben-Hadad et son armée sont venus assiéger la ville? Les militaires sont démissionnaires. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Rien. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la Bible annonce que des femmes sont devenues des sorcières. Hey. Elle dit, mangeons mon enfant aujourd'hui et puis demain, ah, mais pour toi. Alléluia. Amen. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aucune forme de sorcellerie ne te touchera. Amen. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune forme de sorcellerie ne touchera ta famille, ne touchera tes entreprises, ne touchera ta famille, ne touchera ta entreprise. Au nom de Jésus, aucune forme de sorcellerie ne touchera ton enfant. Celui qui me donne un amen puissant, cela lui arrive. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la femme va voir le roi.
Le roi est le garant, c'est le responsable de la ville, du pays. Si le roi ne peut plus rien faire, vers qui on va se tourner? Alléluia. Amen. Si le roi ne peut plus rien faire, vers qui on va se tourner? Le président ne peut plus rien faire. Le ministre sur qui tu comptais ne peut plus rien faire. Le chef de famille puissant que tu estimais, tu pensais que cet homme pouvait t'aider, il ne peut plus rien faire. Le chef, lui, de la gendarmerie ne peut rien faire. Le chef de la police ne peut rien faire. Bien qu'il soit dans ta famille, tu passes tes concours, rien ne marche. Tu passes tes examens, rien ne marche. L'administration très faible, tout est bloqué. Rien ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Parce que tu as compté sur des hommes. Tu as compté sur des hommes. On ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il arrive des situations où tu te dis que telle personne de ma famille pourra m'aider. Tel frère de ma famille pourra m'aider. Tel membre du gouvernement, parce que je le connais, pourra m'aider. Mais tout est bloqué. Un système bloqué. On ne peut pas entrer. On ne peut pas sortir. Et la jeunesse est livrée à elle-même. La prostitution, le busy, tout est géré ici au pays. Alléluia. Alors, pendant que ces choses difficiles, le roi, au lieu de se tourner vers le prophète, vers le roi, vers le prophète, pour trouver solution, vous savez ce qu'il fait? Il décide de tuer le prophète. Quand tout ne va pas, quand tout devient difficile, la seule entité qui pourra nous sauver, c'est bien l'Église, c'est bien le prophète, c'est bien l'homme de Dieu. Parce que tant qu'il existera un authentique homme de Dieu sur une terre, tant qu'il existera un authentique homme de Dieu dans une nation, rien, quel que soit le niveau de persécution du diable, l'Éternel sauvera toujours cette nation. C'est pourquoi je dis en ce matin que Côte d'Ivoire, Dieu t'a donné aussi un prophète. Côte d'Ivoire, Dieu t'a donné une voix. Côte d'Ivoire, Dieu t'a donné un oracle. Côte d'Ivoire, Dieu t'a donné une parole. Côte d'Ivoire, Dieu te parle. Écoute la voix du Seigneur. Ne te doute pas de la voix du tout. Ne te doute pas de la voix du prophète. Ne te doute pas de la voix de l'Église. Ne te doute pas. Parce que quand rien ne va, c'est vers Dieu seulement qu'on peut se tourner. Quand rien ne va, c'est seulement vers Dieu qu'on peut se tourner. Amen. Acclame le Seigneur. Lui seul est notre dernier rempart. Lui seul est notre dernière solution. Lui seul est notre dernière solution. C'est l'âme absolue. C'est l'âme absolue. C'est l'âme absolue. Écoute ma voix, Côte d'Ivoire. Écoute ma voix, enfant de ce pays. L'Éternel est Dieu. Il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Lorsque la voix prophétique est reconnue dans une nation, tout s'incline, le ciel s'ouvre. Est-ce que je peux parler en ce matin? Je ne connais pas les conditions de ta vie. Je ne connais pas ton système. On t'a peut-être annoncé que rien ne va, rien ne peut sortir de toi. Mais je suis venu t'annoncer en ce matin que l'Éternel ouvre maintenant les écluses des cieux. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Je ne sais pas ce que tu recherches. Je ne connais pas ce que tu attends. Je ne connais pas tes aspirations. Je ne connais pas ce à quoi tu t'attends. Mais je t'annonce au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, qui a fait de moi son oracle, qui a fait de moi son prophète, qu'une porte s'ouvre maintenant pour toi. Le travail que tu cherches, il arrive à toi. Il arrive à toi. Il arrive à toi. Au nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen puissant. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen puissant. On t'a peut-être dit que le mariage était verrouillé. Personne ne peut entrer dans le mariage dans ta famille. Mais je t'annonce au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, que le mariage entre maintenant dans ta famille. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Écoutez. Il y a des niveaux de vie, il y a des niveaux que personne n'a encore atteint.
dans ta famille, mais je suis dans la joie. Au nom de l'Éternel, en ma qualité de oracle de Dieu, je t'annonce en ce jour que tu vas atteindre ce niveau. Tu vas non seulement atteindre, mais tu vas le dépasser. Tu vas le dépasser. Tu vas le dépasser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui m'a donné un amen puissant. Amen. Qui a dit Isaïe parle. Qui a dit Isaïe parle. Qui a dit Isaïe annonce. Qui a dit Isaïe prophétise. Qui a dit Isaïe prophétise. Parce que tu m'as dit de prophétiser. J'entends maintenant dans mon esprit. J'entends dans mon esprit. Je vois N, je vois D, je vois R, je vois I. Indri. Qui est Indri ici? Sopakataya. Qui a dit écran géant? Qui a dit écran géant? Mon écran vient de s'allumer. Yes, come on. Sopakataya. Le bataya tabasate. J'entends dans mon esprit, je vois dans mon esprit une personne qui se prénomme Indri. C'est une femme. Je ne parle pas d'un homme. Je suis en train de parler d'une femme. Zebra Tali Jabra Abarias Kelinde Ekepariata Satarius. Elle est là ou pas? Elle est là ou pas? Faisons très vite. Je suis précisément dans la zone de Cocody. Je me retrouve en ce moment à côté de l'église Saint-Jean de Cocody, juste à côté. Je vois le centre du COVID. Si tu es là, approche rapidement que je t'annonce des choses. Paradali la baliekete riabasatarias. Lebereketé. Maman, vous allez bien? Vous habitez où? Maratarios Kepra. Je suis en train de parler d'une femme qui s'appelle Indri, qui habite à Cocody, au niveau du Saint-Jean. Si tu es là, approche rapidement, je vais t'annoncer l'oracle de Dieu. Et pendant qu'elle arrive, je veux parler à une autre personne. Je veux parler à une autre personne. Je vois une personne dont le nom commence, le prénom c'est Lydie. C'est pas toi ma fille. Je vois Lydie. Si tu es là, tu lèves la main. Raté les bras, Sataria Baka. Qui a dit écran géant? Qui a dit écran géant? Qui a dit écran géant? Je vois Lydie, je suis à Pricro. Qui est Lydie qui est à Pricro? Est-ce que la personne est là? Est-ce que la personne est là? On va faire chap-chap. On va faire chap-chap. Vous me connaissez? J'ai développé un style prophétique qu'on appelle prophétie chap-chap. Ok? Prophétie chap-chap. Prophétie chap-chap. Prophétie chap-chap. Écoutez, je suis à Brico. Bizarrement, je me retrouve dans le mois de juillet. Masata brazadalias. Le kete brazaya. Le tabasate. Je suis dans le mois de juillet. Et. Maman, ça va bien, ça va très bien. Je vois un petit garçon à côté de vous, il peut avoir 5 et 6 ans, c'est qui? Heke. Ah, si tu ne m'encourages pas, je vais arrêter ça là. Qui a dit écran géant? Qui a dit écran géant? Qui a dit écran géant? Qui a dit prophète parle? Qui a dit prophète annonce? Prophète prophétise. Il y a longtemps, c'est dans mon vote. Il y a longtemps, c'est dans mon vote. J'attendais l'occasion. On va se limber, limber ici. Maman, après Lydie, je vois un homme comme K. Après K, je vois L. Après L, je vois O. Qui a dit écran géant? Qui a dit écran géant? Qui a dit prophète parle? Prophète parle. Prophète annonce. Après le O, je vois G. Je vois B.
Tu reçois ta part au nom de Jésus. Tu reçois ta part au nom de Jésus. Tu reçois ta part au nom de. Au nom de. Au nom de. Ma fille, ça va? Tu es bénie. Dieu me dit de parler parce que il y a une opposition à ta vie. Il y a une limitation à ta vie. Je vois comme des cordes. Je vois des cordes qui sont liées à un arbre. Et ce arbre-là, la corde qui quitte vers l'arbre et qui enroulait tes pieds, vos pieds. OK? De sorte que quand vous voulez faire quelque chose ou quand vous faites la chose, vous avez comme l'impression que la chose est en train d'aller sur le bon chemin. Mais ça ne dure pas. Tout retourne à zéro. Tout retourne à zéro. La chose n'avance pas. La chose n'avance pas. La chose n'évolue pas. Mais en ma qualité de prophète de l'Éternel, je me tiens maintenant. Mais c'est bizarre. Écran géant. Qui a dit Isaïe parle? Qui a dit Isaïe annonce ça? Isaïe annonce ça. Pourquoi? Je vois comme des couleurs. Je vois comme poney rouge. Je vois comme les encens, les houssements. Pourquoi? Vous avez une famille. Dans la famille, il y a un côté musulman dedans. La sakatabra, les kete bra, l'oche kete le bra, la zandele, kabra abba abba abba. Écoutez, écoutez, Dieu me dit qu'à compter du mois de juillet, à compter du mois de juillet, le ciel va changer, l'atmosphère va devenir un peu plus claire. L'atmosphère va devenir un peu plus claire. Je vois des personnes du côté de Prico. Bizarrement, je vois des personnes qui sont en train de prier. Mais au nom de Jésus, je brise les prières. Au nom de Jésus, je brise les prières. Au nom de Jésus, je brise les prières. Les limitations de ta vie sont détruites. Les limitations de ta vie sont détruites. Je t'annonce aujourd'hui, à partir du mois de juillet, le ciel sera plus ouvert sur ta tête. La terre te sera favorable. Tout ce que tu vas toucher, ça va te produire de bonnes choses. Ça va t'envoyer de bonnes choses. Au nom de Jésus. Élie, c'est qui? Ce que les batailles catabro sont patalisata. Les que te. Qui a dit écran géant? Prophétie comment? Alléluia. À partir de ton cordon ombilical, je touche la vie de cet enfant. Dieu me dit qu'il a une étoile puissante. Une étoile grande. Je le vois évoluer. Je le vois évoluer. Je le vois évoluer. Dis Isaïe parle encore, je vais parler. Dis Isaïe annonce. Je le vois évoluer. Bizarrement, je le vois, mais je ne le vois pas avancer ici en Côte d'Ivoire. Je le vois avancer du côté du Canada. Je n'ai pas dit que l'Europe, j'ai dit le Canada. Je le vois là-bas. Je le vois en train d'obtenir ses diplômes. Je le vois comme dans l'ingénierie. L'ingénierie. Je vois comme des gens qui sont dans la réparation d'avions et autres, là, des grands engins. Je vois l'enfant doté d'une intelligence pareille, en train d'apprendre ces choses. Parce que... Elle Acaparius Elouche Araraba Santé. Dieu restaure ta vie. Dieu change ton histoire. Dieu change ta condition à compter d'aujourd'hui. Et je scelle toutes ces paroles dans ta vie et dans la vie de l'enfant au nom de Jésus. 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 Qui s'élève et me donne une acclamation maintenant. Qui me donne une acclamation maintenant? Voilà. Samakatali Jabatala Zabros.
Je veux prier. Elle n'est pas là, elle n'est pas venue. Celle que j'appelais depuis là. Est-ce qu'elle est là? Non, c'est pas elle. Non, faut pas, on va se fatiguer. Hein? Je dis, je vois une personne qui habite dans le côté de, du côté de Cocody Saint-Jean. Si tu es là, tu approches, je vais prier pour toi rapidement. En attendant, j'ai quelque chose à te dire. Qui a dit prophète annonce et je vais annoncer? Qui a dit prophète annonce? Vous savez, nous sommes dans le mois d'avril. Mon frère, le prophète Lange, a fait une publication tout au début du mois d'avril. Et il a dit, avril voulait dire en quoi même, en latin, apéri. C'est ça. Et qui signifiait déverrouiller. Amen. Ouverture. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de t'annoncer maintenant que les prisons qui te retenaient, yes, les verrous de ces prisons sont brisés en ce jour. Amen. Nous sommes dans le quatrième mois, le chiffre 4. Alléluia. Amen. La Bible dit que le peuple d'Israël a fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Mais après les 400 années, il fallait que Pharaon tombe. Il fallait que Pharaon tombe. Alléluia. La Bible dit que Dieu a suscité un prophète qu'on appelle Moïse. Moïse est levé. Moïse est levé, il a annoncé à Pharaon, il a demandé à Pharaon de laisser partir le peuple. Pharaon refusait. La Bible dit que Moïse va faire descendre par l'aide de l'Éternel des plaies sur Égypte. Malgré ses calamités, malgré ses plaies, malgré ces choses atroces, atroces qui arrivaient aux Égyptiens, Pharaon n'était pas prêt à laisser partir le peuple. Mais la Bible dit qu'il y a eu une dixième plaie. La dixième plaie était que les enfants d'Israël devaient tuer un agneau, de prendre le sang de l'agneau et de mettre ça sur les linteaux des portes. C'était la Pâque. Et la Bible dit que ce jour-là, l'exterminateur est descendu en Égypte et tous les premiers-nés des Égyptiens sont tombés ce jour-là. La Bible annonce que ce jour-là, un grand cri se fit entendre dans tout le pays d'Égypte. Et Pharaon a été obligé de laisser partir le peuple. Je suis en train d'annoncer une chose à quelqu'un. Peut-être que depuis janvier, mars, avril, ta vie était bloquée. Les choses étaient bloquées. Janvier, février, mars, tout était bloqué. Mais en ce quatrième mois, en ces quatrième mois de l'année, j'annonce maintenant l'ouverture des portes. L'ouverture des portes. L'ouverture des portes. Au nom de... Au nom de... J'entends pas ton amen. Au nom de... Au nom de... Qui a dit... Prophète parle. Quand il dit ça comme ça, mon écran est en train de s'allumer. Hey! Alléluia. Amen. Je vais travailler un peu et puis je reviens. Tu sais, fils, je suis dans le règne de l'esprit. Le pianiste, André, n'a pas très envie de jouer. Azaf, tu n'as pas pu jouer le piano, alors. Côte d'Ivoire, il y a un homme que Dieu t'a donné, un prophète que Dieu t'a donné. Écoute les oracles qui sortent de sa bouche. Une fois que j'ai rencontré mon père spirituel, c'était dans un rêve. Pour ceux qui connaissent les témoignages savent. La toute première fois que j'ai rencontré mon père spirituel, c'était dans un rêve. Je me suis vu dans son salon. Je suis entré dans son salon et dès qu'il m'a vu entrer, il était sous l'onction. Il a pris sa main droite, il a touché ma bouche. Et quand il a touché ma bouche, il a dit, à compter d'aujourd'hui, tout ce que tu vas annoncer, cela arrivera. Et depuis que cet homme a touché ma vie, depuis que ma vie fut changée, ma vie a changé. Tout ce que je dis ne manque pas d'arriver. C'est pourquoi je ne parle pas assez. C'est pourquoi je ne me prononce pas vite. Quand vous me voyez à l'église, toujours dans mon coin. Parce que
que je ne vais pas trop parler. Je connais la qualité de l'onction qui a touché ma bouche, qui a touché ma vie. Alléluia. Les épatayasati. Kilo Sharia Abra. Vous savez, pour que le peuple puisse quitter Égypte, pour que Pharaon puisse libérer, il a fallu d'abord que un agneau soit immolé. Je veux immoler des agneaux. Je veux immoler des agneaux. Tu as dit pour faire tuer les agneaux. Monsieur me connaissent depuis Abobo Bac, Abobo Sojevia, Abobo Avocatier, Abobo Kéba, toute la zone. C'est mon secteur. C'est mon secteur. Toute la zone. C'est mon secteur. Mon frère le fait l'ange, on se connaît depuis un très jeune. Alléluia. Vous savez, j'ai vu de, dans toute la précarité. À cette époque, il ne pouvait pas se passer un dit où je n'étais pas orateur dans un lieu. Je prêchais devant des centaines de personnes, des milliers de personnes, mais c'était la catastrophe à la maison. Tout est compliqué. Je prêchais le Dieu vivant. Pourtant, moi, j'étais mort. J'étais mort dans ma bouche. Quand tu me vois, je sens la pauvreté. Quand tu me voyais, je ne peux pas falsifier mon histoire. Je ne peux pas falsifier mon témoignage. Pourtant, je serais étudié. Voilà, un fils là. Lui, ton père spirituel, prophète disait qu'on dit, son père spirituel, même vous la maison. Il vient voir. Comment ton père spirituel était encore élève. Il vient prendre conseil. Je donne conseil aux jeunes. Même si c'était la galère. C'était la galère. C'était difficile. Parce que je n'avais pas compris des principes du royaume. Je prêchais tel, sans toutefois avoir vu l'éternel. Je prêchais Dieu sans avoir touché le pan de sa robe. Je prêchais Dêu sans que bref, l'équipe de l'hôtel et touche ma bouche. Je prêchais Dieu dans la. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes du royaume que je n'avais pas encore respecté. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à appliquer. J'ai commencé à respecter. Il fallait que des agneaux soient immolés. Il fallait que des agneaux tombent. Écoutez-moi très bien. Lorsque le peuple d'Israël tuait l'agneau et a mis sans sur les portes, pas seulement libérer le peuple, ça tuait tout le site d'Égypte d'abord. La Bible dit que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte chargés en or, sont sortis d'Égypte chargés en argent, avec des ors d'Égypte. Et puis en tête, je veux prier en deux jours plusieurs choses. Celui qui coupe pour faire ma sœur. Je veux me connecter avec le chiffre 4, le chiffre de la libération, le chiffre de la délivrance, le chiffre du triomphe. Je veux me connecter au chiffre 14. Je veux que tu prennes une offrande qui a eu cotation avec le chiffre 14. Je veux que tu prennes 40 000. Tu peux acheter un agneau. Prends ça maintenant. Si tu t'assures, prends ça. Je veux prier. Vous savez, je suis allé prier sur la montagne. Pendant des jours et des nuits, je priais. Pendant que je priais sur cette montagne, je lève ces drapeaux, cette montagne, je ne fais que prier, je ne fais que prier. Depuis ce matin, lorsque le Seigneur me dit, les drapeaux sur lesquels je priais, lorsque tu t'es retiré de la montagne, sauf ces drapeaux, parce que c'est le signe de l'alliance. Il y a des personnes qui vont porter les richesses de la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui vont posséder les richesses de la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui vont posséder les richesses de la Côte d'Ivoire. Notre Père a dit que ce programme, c'est pour la nation, mais aussi pour les enfants de Dieu qui travaillent pour encore, ils vont faire le travail. C'est là parce que tu travailles déjà. Tu as besoin d'une promotion, tu as besoin d'une sélection dans tes affaires, tu as besoin d'une excès, tu as besoin que Dieu t'aide dans tes affaires. Tu as fait compliquer quelque part. Tu veux être grandi. L'occasion est de maintenant. Permets-moi de tuer de nos sommets. Permets-moi pas que je tue de nous. Je veux que tu prennes une offrande à hauteur de 46 000 francs. Prends cette entrée. Si tu as dans ton orange, prends. Prends ça, s'il te plaît. Je veux voir Siri. Après ça, je vais prêter un peu sur deux personnes. Tu peux t'entendre et tu t'approches moi. Je vais demander à deux mandos de côté de moi. Approche-toi de moi, s'il te plaît. Prends les 40 000 et approche-toi de moi. Mets-toi là. Prends les 40 000 et approche. Faites un peu vite parce que je veux prier. Maman, ça va? Ça va bien? C'est vrai qu'on se voit à l'église, mais on n'a jamais parlé encore, non? C'est ça, non? D'accord. Est-ce que dans ton nom, il y a K? Il y a O, il y a U, il y a A, il y a 2 S, il y a I. Est-ce que votre numéro de téléphone là, est-ce qu'il y a 08 dedans? Est-ce que vers la fin là-bas, il y a 20 là-bas? Est-ce que, bon, pas vers la fin, vers le milieu, bon, pas trop proche de la fin, est-ce que... Matarazata katalapa. Prophète annonce. Prophète, tu sais que toi... Tu as développé le système de Mister Television. J'ai développé le système de écran géant. Je vois une étoile au-dessus de votre tête. Je vois une couronne. Je vois une situation compliquée qui est en train d'être décantée. Parce que j'ai vu l'huile de mon père qui a touché votre front. Et cette huile-là est en train de transformer les choses. Les oppositions de votre vie sont en train de se soumettre. Je vois les verrous qui sont en train de
tomber, les barrières qui sont en train de tomber. Le Seigneur me dit, après ce programme, comptez 21 jours. Maintenant, jusqu'à 21 jours, regardez vos mails, regardez vos portables sonner. Parce qu'une bonne nouvelle arrivera. Une bonne nouvelle arrivera. Une bonne nouvelle arrivera. C'est bizarre. J'entends comme une banque qui est en train de vous appeler pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Au nom de Jésus, c'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait. Mettez l'offrande là. Faites vite. Faites vite. Orange Money là. Mama Gra, come on, please. Coup. Vous qui avez déjà fait vos offrandes, venez là. Où sont les commandos? Je vous ai dit d'être proche. Parce que je vais mettre les drapeaux sur lesquels j'ai prié. À Israël, s'attache à votre vie également. Au nom de Jésus. Que la richesse de ce pays vous soit accordée. Au nom de Jésus. Les portes de cette nation s'ouvrent. Je parle à l'esprit qui règne sur la Côte d'Ivoire. Je parle à l'ange qui siège sur la Côte d'Ivoire. De vous reconnaître en ce matin. De vous reconnaître en ce matin. De reconnaître votre nom. De reconnaître votre nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les meilleurs fruits de ce pays sont pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Qui d'autre? Venez faire rapidement. Venez. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais prier pour tout le monde. Maman Gras. Maman Gras. Il faut activer ton Orange Money. Ok. Tu as quitté ta nation, tu as quitté ta patrie, tu as quitté ton pays pour la Côte d'Ivoire. Tu es venu pour des affaires. Tu es venu pour des affaires. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la terre de la Côte d'Ivoire te soit favorable. Que l'ange des affaires qui règne sur la Côte d'Ivoire te reconnaisse, reconnaisse ton nom en ce jour. Et que la terre de la Côte d'Ivoire te soit favorable. Je vois une onction qui est en train de descendre sur toi. Et Dieu me dit que tu seras distingué. Tu seras distingué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait. La amakari shalalu supa ala indolo abra laza nali katalizo apra lozo akataliza abra dalunda liandelong mayanda she eke le eparianda satalu zubra maranda liandolondolindeleka aba 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 lozo akali lebra atali bali atali Zotai etali edala adalu luzu apa adalia varadali ehendeleke adahada bahata shuta hadaliha bahadali hekete hekete lozuta apahudaha vahaha lozuhaha ladaha la inda la hatahe ketaliza apraitaliha. C'est fait. Allez-y. Kaluno olahinda sahush ilirianda sahita abaria afayusu upahinda lia apraha lozo akatalia salia andabrahus le emahata lisheka atalias lo opra abariandele eke lahuzu pra adaliandele. Faites votre doigt comme ça, s'il vous plaît. Faites votre doigt comme ça. Levez le doigt en l'air. Non, elle. Baria apariu suta loshka aluz apra lozo opa akatali remra handalias tapra adalianda hotu lijabaha talia afayus da luhaha maraza hindeli kataliz de praha marada zutu paha talish. Tu es béni. Le Seigneur me montre une vision. Dans la vision, je vois une eau. L'eau là, elle est d'une couleur un peu sombre, un peu noirâtre. Elle n'est pas très sombre, mais quand tu la regardes, tu as l'impression qu'elle est, elle est noire. Il y a comme de l'huile même. Il y a comme de l'huile au-dessus de l'eau là. Je vois des bambous de Chine plantés dans cette eau. Amen. Et c'est bizarre. Je vois votre nom qui est en train d'être retiré par un ange puissant. L'ange est en train de retirer ce nom dans de l'eau. Et le Seigneur me dit qu'à compter de ce matin, les verrous sont tombés, sont brisés. Tes affaires connaîtront une accélération. En ce moment, les choses sont un peu lentes. Les choses n'avancent pas comme tu souhaitais. Les finances même ont commencé à diminuer. Mais au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, il y a un déblocage à partir de ce matin. Amen. Il y a un déblocage à partir de ce matin. Amen. Avance s'il te plaît. L'Osaka Karinda Bashatalus. Ilibra Zatalias, Ke Epa Apa Apas, aidez la surveille là. Barata Tasabra, aidez la surveille là s'il vous plaît. Padalias Taprozuta Aparios. Au nom de Jésus, c'est fait.
ça fait. Les portes des richesses de ce pays. Les portes des richesses de ce pays s'ouvrent à vous. Au nom de Jésus. Pour vous particulièrement, le Seigneur me dit que ce soit à 2 heures. Bon, vous pouvez pas dire demain matin. À 2 heures. 2 heures. 30 minutes. Vous comprenez très bien. Levez-vous. Prenez une bougie blanche. Placez-vous dans la direction de l'Est. Faites 3 vœux. Vous comprenez? Devant cette bougie, en fixant cette bougie, faites 3 vœux. Quand vous finissez, couchez-vous. Vous comprenez un peu? Couchez-vous. Mais quand vous vous couchez, mettez la tête comme ça et les yeux en haut. Dieu me montre une vision qu'il va vous présenter. Amen. Vous allez voir une vision. Dans cette vision, un esprit, un ange du Seigneur va vous apparaître, va vous révéler certains secrets pour déverrouiller certaines choses dont vous cherchez la compréhension. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Laissez-moi prier, puis après vous allez faire ça. Lo chapra. La rinda satalus et loge que mara cataluza varadaliza talianda brosupaye les talius cupra loge catarianda bratalius. Quand je quittais la maison ce matin, Dieu m'a parlé d'une femme. Il m'a dit qu'elle s'appelle Ondri. Vous comprenez un peu? Dieu m'a parlé depuis la maison. Il m'a dit une femme qui viendra à ce programme. Elle s'appelle Ondri. Je veux prier pour elle. Si elle est là, qu'elle lève la main. Je veux prier pour elle. Aussi, elle me suit sur les réseaux sociaux, qu'elle se signale là-bas. Marada Braz Zatarias Katarus Upra Ajdalia. Le ciel est ouvert pour vous. Au nom de Jésus. Aidez-la. Masapa. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Le ciel est ouvert. Tout vous sera favorable à compter de ces instants. Au nom de Jésus. Je vais accélérer maintenant. Qui a dit Isaïe parle un peu? Pendant que j'ai mis le drapeau d'Israël et de la Côte d'Ivoire sur vous, j'ai vu un avion qui a décollé. J'ai vu un avion, je me suis retrouvé au cœur des Blancs. Maman, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je me suis retrouvé au cœur des Blancs? Vous attendez quelqu'un de là-bas ou vous voulez voyager? Vous voulez voyager, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Les finances qui bloquent. Vous avez votre passeport sur vous? Donnez le passeport, s'il vous plaît. Allez-y prendre. C'est pour cela que vous êtes venu aujourd'hui. Qui d'autre? Maman Gra, ah, d'accord. L'ashtapra akatario supra. Non, faites la main comme ça. Faites la main comme ça. Fermez les yeux. Mara tatata. J'entends gla, gla, gla. C'est quoi? Oui. C'est quoi? C'est masque. Mais j'ai vu gla. Pourquoi je vois gla auprès de vous? Vous avez, mais je vois comme un oncle de votre mère qui est comme le dépositaire. C'est lui-même qui garde les masques là. Ok? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ok? Le propre de votre vie est tombé. Le propre de votre vie est tombé. Au nom de Jésus, les richesses de cette nation, les richesses de la Côte d'Ivoire sont pour vous également. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Ça va? Vous allez bien? Vous faites quoi dans la vie? D'études. Est-ce qu'il y a le chiffre 19 dans... Masapra suka ele ebashtalus upa papata yada basata le sekete pasa kapata yandi pra imasataus au nom de Jésus Christ. Amen. C'est fait. Donnez-lui le passeport rapidement. Je vais prier. Je n'ai plus le temps pour prophétiser encore. Le temps est très parti. C'est pour dire que je vois. Bon, levez le passeport. Ah, c'est chaud, hein. Ok, il y a un peu de temps. Maman, enlevez la chaussure. Que vos pieds soient en contact avec la terre de la Côte d'Ivoire. Terre de Côte d'Ivoire. Terre. Terre. Toi qui la retenais. Ciel. Toi qui la retenais. Tu la libères. Au nom de Jésus. J'ouvre les portes des nations. J'ouvre les portes des nations. J'ouvre les portes des nations. Et de là, j'ouvre les portes des nations. J'ouvre les portes des nations. J'ouvre les portes des nations. C'est fait. C'est fait. On acclame le Seigneur pour elle. Losha Amaria Sata. Los Kipra Daluzu. Arrangez bien pour moi, s'il vous plaît. Reyanda bro suta. Leoshkinda bro saiten reading lautin. Lima chatalus. Recule ça un peu légèrement. Je déclare que les richesses de cette nation soient également votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Je vois de la multiplication dans vos finances. Je vois de la multiplication dans vos finances. Je vois comme vous avez commencé à faire des sacrifices dans ces temps-ci. Vous avez commencé à faire des sacrifices dans ces temps-ci. Je vois même que le vendredi dernier, il y a eu un truc que vous avez fait. Qui a dit écran géant? Qui a dit écran géant? Machakatabras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien sûr. Vous avez fait l'offrande déjà? Ok. Soulevez le passeport. Loske ma kapariosita. Ebra afarios sutamash talios. Les portes qui vous retenaient, les blocages de votre vie sont ôtés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les portes des nations sont ouvertes. Ouvertes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux quelqu'un derrière la maman, s'il vous plaît. Il y a une seule grâce que j'ai vue. C'est une huile spéciale. Seigneur, merci pour la vie de ta servante. Merci. Merci. Aidez-la, s'il vous plaît. Aidez-la, s'il vous plaît. Il y a une grâce particulière pour elle. Amen. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Maman, c'est fait.
Dieu vous aime. Vraiment, il y a du travail à faire. Que notre Père organise une veillée. On va se tuer ici. Yes. Je fais briller votre étoile. Je fais briller votre étoile. Je fais briller votre étoile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. L'histoire change dans votre vie. L'histoire change. Je suis en train de voir une étoile qui avait commencé à briller fortement. Qui avait commencé à briller fortement, fortement, fortement. L'étoile a toujours son éclat. Sauf que l'éclat s'est un peu atténué. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre étoile brille à nouveau. Les portes des richesses de ce pays sont ouvertes. Au nom de Jésus, je déclare l'ouverture. Sopataya sandibras. Je prie également pour votre santé. Que l'Éternel restaure tout votre être entier, depuis la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus. Amen. Les richesses de cette nation sont pour vous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Vous travaillez encore? Pas encore. Vous quittez pour aller dans un autre travail. Vous voulez entreprendre vous-même. Attrapez le drapeau là, s'il vous plaît. Attrapez comme ça, avec les deux mains. L'osha, abba, abba. Les bras. Enlevez votre chaussure, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, c'est fait. Mettez-vous là-bas. Enlevez la chaussure, mettez-vous là-bas. Je déclare, en ma qualité de prophète de l'Éternel, que les portes, les richesses de cette nation soient votre partage. Au nom de Jésus, apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Amen. Amen. Attrapez les drapeaux, s'il vous plaît. Attrapez-les. Seigneur, merci, car tu le fais. Amen. 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 Los capra le e maria sta luzupa atarianda brozo tahitalish e le matarianda pra afarius. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Allez-y. Aidez-la, s'il vous plaît. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Machakata. La terre est en train de trembler au-dessus de vous. La terre est en train de trembler au-dessus de vous. Je vois un baobab, un déracinable qui est en train de tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait. Les portes des nations sont pour vous. Les portes du mariage sont ouvertes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons puissamment l'arrivée de l'ange de la maison de notre Père spirituel. On s'élève et on acclame puissamment le Seigneur pour l'arrivée de mon Père spirituel. Mon Père spirituel, nous acclamons puissamment le Seigneur pendant qu'il est en train d'arriver. Nous acclamons puissamment le Seigneur. Acclame! Amen. Je finis de travailler rapidement. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Attrapez les drapeaux, s'il vous plaît. Seigneur, merci
pour tes richesses dans la vie de ton serviteur, pour l'ouverture des portes. La terre de cette nation témoignera pour toi et tu témoigneras dans cette nation au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de ton serviteur. Merci pour ce que tu accomplis maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Loshke pra satalus elebra afario suma akatalia le emario supa atalish. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait. Le propre de votre vie est ôté en ce jour. Dieu vous fait entrer dans un autre niveau de bénédiction, de grâce. Ceux qui se moquaient de vous hier verront l'éclat de votre étoile et se prosterneront pour adorer votre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marata pra salu shipra abarianda luzuta abahabahabahaba libra taliando fraus taliundelehi eleoshkenda pra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Amen. Venez. Comment? C'est pas vous. Je n'ai pas de l'église qui habite. Le côté Saint-Jean. C'est pas vous. Pas ma perte de temps. Mettez-vous là-bas. Pour tous ceux qui doivent maintenant faire leurs offrandes par Orange Money, c'est 07 2 x 49 59 86. Vous pouvez commencer à faire les transferts et envoyer un message pour dire que c'est vous qui venez de faire le transfert. Amen. Je veux prier pour des personnes. Tu n'as pas peut-être eu les 40 000 francs, mais là où tu as un billet de 10 000 francs sur toi. Je veux que tu cours rapidement, tu viens vers moi. Il faut courir, viens sur moi. Il faut courir, s'il te plaît. Je sais pourquoi. Le premier qui descendait dans la piscine était celui-là qui était béni. Oui. Rapidement, non, prends l'argent et puis tu viens. Prends l'argent. Prends les 10 000 francs et puis cours. Cours, viens rapidement, je sais pourquoi. Cours, viens rapidement. Cours, viens rapidement. Posez l'offrande et puis venez toucher le drapeau. Touchez le drapeau. Touchez les deux drapeaux. Faites un vœu. Faites un vœu et touchez le drapeau. C'est fait. Allez-y vous asseoir. Faites rapidement. Courez, s'il vous plaît. Je veux prier pour une personne qui a un enfant malade en ce moment. Mais viens avec ton offrande. Je vais te dire. C'est fait, maman. Allez-y. Viens rapidement. Prends un billet de 10 000. Viens rapidement. Viens rapidement. Je vais prier. Amen. C'est fait. Dieu le libère de cette maladie au nom de Jésus. Vous-même, vous êtes libéré. Il y a trop d'esprits derrière vous. Priez beaucoup au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas peut-être eu 10 000, mais tu as 5 000 sur toi. Viens que je te touche avec moi. Viens, viens rapidement. Lavez vos pieds. Tu n'as pas peut-être eu 10 000, mais tu as 5 000 sur toi. Viens rapidement que je te touche. En fait, je fais ça pour que tu sois béni, en fait. Merci, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait en ce matin. La louange, la gloire, la puissance, la magnificence te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais qu'on se tienne debout. Puissamment
le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame puissamment le Seigneur s'il t'a fait du bien. Amen. Amen. Toutes les personnes pour qui j'ai prié tout à l'heure, quand vous allez entrer à la maison, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'offrande, faites l'offrande avant 15h, s'il vous plaît. Au plus tard, 15h, à la 9e heure, c'est l'heure, c'est une autre porte qui s'ouvre dans le ciel pour votre bénédiction. À 15h au plus tard, faites votre offrande. C'est bon? On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer puissamment Jésus-Christ de Nazareth? Merci, révérend prophète. Nous avons été exposés à une onction extraordinaire. Alors, nous allons passer à notre deuxième offrande. Tu vas prendre ta deuxième offrande et nous allons faire notre deuxième offrande avant de continuer nos hostilités. Le Seigneur a des choses merveilleuses pour nous aujourd'hui. Si tu es arrivé en ce lieu, tu ne sortiras pas comme tu es arrivé. Tu auras un bonus du ciel. L'ange de la maison est déjà parmi nous et des choses vont se produire. Prends ta deuxième offrande. Et sans aucune cérémonie, après les hommes de Dieu, tu viendras, n'est-ce pas, faire ton offrande. Tu peux maintenant venir faire ta deuxième offrande. Oh,
Alléluia. Bien-aimé, tu es ensommeillé ou quoi? Alléluia. Donne-moi un amen vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu te tiennes debout. Thank you.
position. En position. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, tu peux t'asseoir royalement. Le mercure va continuer à monter. Nous allons recevoir un homme pas des moindres. Un homme qu'on a surnommé Mister Television. Il est très, très, très dangereux, le plus produit du Père. Mais je veux prier pour une femme. Madame, s'il vous plaît, dans le fond, vous qui êtes en bleu là-bas, oui, est-ce que vous pouvez simplement vous tenir debout, s'il vous plaît? Excusez-moi du dérangement, excusez-moi. Lorsque vous veniez faire votre offrande tout à l'heure, j'ai vu une ombre vous suivre. Vous êtes dans le ministère? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes dans le ministère ou bien est-ce que vous avez l'appel de Dieu sur vous? L'appel de Dieu. Aïe. Quand vous êtes venu, j'ai vu une ombre et j'ai entendu clairement la voix de l'Esprit qui m'a dit, voici ma servante, mais il y a une mort prématurée programmée contre elle. Je peux libérer la grâce de Dieu pour vous. Levez vos mains depuis là où vous êtes. Je libère la grâce de Dieu et je menace cette mort sur votre vie. J'annule ce décret de mort au nom de Jésus. Amen. En ce troisième jour, vous avez la clé de la ville. Amen. Et la vie de Dieu coule en vous. Amen. C'est fini. Vous avez bien fait de venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons recevoir mon frère prophète, un homme que je respecte beaucoup, un homme que je regarde, que je copie, que je mime, parce qu'en lui est le dépôt divin. Tu vas te tenir debout et tu vas joindre tes mains pour recevoir ici et maintenant le révérend prophète, l'ange Emmanuel Tolski. Acclame Jésus jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Ah, Maka, ça va chauffer. Ça va chauffer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux ajouter quelques décibels de plus à tes acclamations? Serait-il possible que tu ajoutes des cris de joie, des cris de victoire sur tes acclamations? Thank you.
Alléluia. Amen. Avant que tu ne t'assèges, je voudrais entendre un amen, un dernier amen, dans lequel il y a la promotion, dans lequel il y a des affectations qui arrangent les enfants de Dieu. Je veux juste entendre un amen qui chasse le chômage, qui chasse d'éternels stages qui n'aboutissent jamais à rien. Je veux entendre un si puissant amen. Alléluia! Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que si tu dis amen encore, Dieu va ajouter une gloire sur ta bénédiction. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Je suis très heureux d'être ici. Alléluia. Amen. C'est un plaisir, un privilège de me tenir ici. Je veux bénir le nom du Seigneur, à qui il a plu de m'appeler à son service. Je bénis le Dieu de mon appel. Vous savez, tu peux avoir un appel de Dieu sur ta vie. Tu peux commencer à faire des choses même si tu veux. Mais tant que tu n'as pas un père, tu n'as pas véritablement répondu à l'appel de Dieu. La Bible nous dit que Samuel entendait la voix de Dieu. Quelqu'un qui l'appelait, il avait donc l'appel de Dieu. Depuis le ventre de sa mère même, sa maman avait dit, si j'ai un enfant, cet enfant-là, je vais te le consacrer. Donc, il y a longtemps qu'il était appelé. Mais il n'était rien devenu, jusqu'à ce qu'il aille voir le vieux qui dormait avec lui, Élie. Il a dit à Élie, j'entends des voix. Et Élie lui a donné une formule. Il lui a dit, si tu entends encore cette même voix, il faut dire, me voici, Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je suis très heureux parce que j'ai rencontré mon Élie. Il m'a donné la formule qui me correspondait et j'ai pu répondre efficacement et totalement à mon appel. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de mon Élie, pour la vie de mon père spirituel, celui par qui Dieu nous convoque ici en ce jour. Maintenant, assois-toi royalement. Bien-aimé, je suis ici. Est-ce qu'on va lire la Bible? Je ne suis pas ici tellement pour prêcher et tellement pour prophétiser. Il a dit, Mister Television, je ne suis pas venu.